Le bio. Oui, le bio. Oh, bah écoute, ouais, je pense que c'est bien, hein. C'est bien. C'est tout. Toi, je te pose une question sur un sujet important, un sujet d'actualité, et ta réponse est c'est bien. Oui, c'est bien, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais pas, tu mentes un peu, merde. Oh, hey, tu m'emmerdes avec ton bio, là, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que t'appelles bio, toi? Ce qui est naturel, produit sans saloperie, le bio, quoi. Oui, bah voilà. Tout ce qu'on produit sans pesticides, Et bah, c'est bien, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, elle veut prendre la question aussi. Comment tu veux qu'on soit con? Imagine un gars qui dirait. Ah, non, moi, je suis con, moi. Je préfère bouffer de la merde chimique. Vive les produits qui foutent les cancers. Franchement, comment veux-tu débattre de quoi que ce soit sur un sujet aussi con que le bio? Non, mais évidemment, Tiens, tiens, si tu vas par là, j'en ai des sujets bien cons. Qu'est-ce que tu penses d'être heureux toute ta vie? Hein? Ou tiens, tu crois que c'est bien d'être riche? Alors tu me broies les noyaux parce que je ne débats pas pendant le combat avec toi, mais tu ne files pas de sujet correct aussi. Pas raisonnable. Oui, bon, t'as pas tort. Bien sûr. Vas-y, file-moi un sujet, tiens. Rien qui me vient. Ah, ouais, évidemment. Dès qu'il s'agit de se creuser un poil de la soupière, il n'y a plus personne là. Oui, non, mais je te vois, hein. C'est bien. Oh putain, c'est la religion. Ça, c'est un bon sujet, hein. Eh, sûr, c'est un bon sujet. Là, tu me fais plaisir. Ah oui, Un hein. sujet pour lequel il y a des débats, oui. Eh, il n'y a qu'à voir comme le monde entier se met sur la gueule. Non, mon Dieu, c'est le meilleur! Et n'importe quoi, c'est le mien, gna gna gna! Hein? Ah oui, ça, c'est un bon sujet de conversation. Eh ben? Quoi? Eh ben, vas-y! Où ça? Tiens, tu déconnes. Mais quoi, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je t'écoute! Tu m'écoutes. Et tu m'écoutes de quoi? Mais nom de Dieu, la religion, t'en penses quoi? Oh, ça! Oh, bah, pour faire simple, bon, je m'en fous, voilà. Tu t'en fous. Ah oui. Peut-être. Ah oui, pourquoi? Ouais, donc toi, à part les résultats du PSG, rien ne t'intéresse. Oh, pas loin, oui. Donc, tout ton discours sur le fait que je ne te fournis pas le bon sujet de conversation, c'était uniquement pour m'emmerder, c'est ça? Mais ma foi, non. C'est juste que tu devrais te soucier un peu plus des sujets de conversation que tu proposes. Mais dans l'ensemble, ouais, je m'en fous. Pourtant, merde, y a de quoi discuter quand même. Les guerres, les tarés qui ne supportent aucune autre religion, etc., etc. Hein? Ah bah voilà. T'as tout dit. On a fait le tour de la question. T'as tout? Eh oui. Les gilets jaunes! M'en fous. Ah non! Non, pas toi. T'as pas le droit de t'en foutre. Monsieur a été 25 ans à la CGT. En première ligne à toutes les manifs. Le prince de l'opération Escargot! Voilà, donc non. Ouais. Oh, les gilets jaunes. Eagle Way, c'est bien. Construisent des cabanes le long des routes, ça crame de la palette, ok. Mais dans le fond, tout le monde s'en fout. Non. Moi, je les soutiens. Je suis tout cœur avec eux. Ah oui? Eh ouais. Assieds-moi voir une de leurs revendications qu'on rigole, tiens. Et voilà, comme tout le monde, t'en as rien à carrer. Non, non. Attends, 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 attends. Ils veulent. Ah, le pouvoir d'achat. Ils veulent une revalorisation du pouvoir d'achat. Ah, c'est important, ça. Oui, c'est important, oui. Ils veulent que les Français gagnent plus de pognon pour se payer des crédits bagnoles ou des iPhones à 1 500 balles. Hein? Et ça fait 40 ans que tout le monde le revendique. Et ça fait 40 ans qu'on l'a dans le fion. Hein? Oui, bon, ton raisonnement est. Voilà, c'est bien. Mais. De toute façon, moi je suis visionnaire. J'ai 40 ans d'avance. Ah bah merde. Ah, ça se tient. Mais bien sûr. Tu te fous son, hein, bah, toujours vouloir gueuler comme ça. Là. Hein? On chope des maladies du Moyen-Âge. En parlant de ça, tu te rappelles de la Sophie, là? Sophie? Mais si, la grande, là, qui venait à toutes les manifs, qui gueulait pour un oui, pour un non. Ah oui, la féministe! Oui, voilà, la féministe, celle qui avait fait une pétition pour que les bonnes femmes n'aient plus leur règne. Oui, là. Eh ben, elle s'est chopée un psoriasis.
Ah bah merde, elle a eu l'accident de bagnole. Quoi? Elle s'est pris un psoriasis en bagnole. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? C'est pas les gros arbres là, les psoriasis. Bah, mais qu'il est con celui-là. Un psoriasis, c'est une maladie de peau liée au stress pour Ico. Ah, bah oui. Oh. Tu m'en diras tant. Ouais, t'as les couillons qui... De toute façon, c'est trop cher. Quoi? C'est trop cher. Qu'est-ce qui est trop cher? Eh ben, le bio.